Hello, bienvenue dans l'Arcée Show. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, du coup sur XCOM 2. Ah, mais du coup, j'ai un avatar. On a un avatar. Putain, on va les défoncer en fait. Les cinématiques, par contre, avec les. La personnalisation, c'est beaucoup trop stylé. Ça se passe très mal en fait. Ça se passe extrêmement mal. Parce qu'ils avaient peur en gilet jaune, ça. Ah putain, il est pas du tout stylé lui. Ok, bon, écoutez, c'est parti. Alors, avatar du commandant. Ok, il y a quoi comme truc? Lance neutralisante, brèche dimensionnelle. Ok, c'est par où? Parce que en fait, j'en sais rien. Là, on va aller par là. Il y a Blaze. Le sniper normalement. Yes. Oh putain, ça commence fort. Ça commence direct avec des berserks. Ah, ça va, ils sont bidons. Yes, ils ont des boules magiques aussi. Yeah, yeah, yeah. Yes, du coup, on répond directement à leur tir dessus. J'ai bien vu, enculé. On est bien dans la merde. Normalement, ils jouent pas le premier tour. Yes, bon, bah, on va leur rouler dessus, en fait. Oula, attends, c'est quoi tout? Waouh. Sodicar. Ah, putain, c'est vrai que je peux faire ça. Par contre, tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Putain, il y a lui aussi. Lui, il peut lancer des sorts de ouf. Mais j'ai ça aussi. Contrôle mental d'un ennemi de façon permanente. Est-ce qu'on le fait sur lui? Oh non, je sais, on va le faire sur... Yes, j'ai vu qu'il y a un insectopode, on va le faire sur ça. C'est une unité robotique ultra cheat. Contrôle mental. Et ça a combien de tours, ça? Écoute, on va essayer. Ça se trouve, je peux le faire deux fois. Putain, ça voudrait dire que je voulais avoir deux alliés dans mon groupe. Quel beau Joss. Donc le berserker... Il est à moi. Ah, bah il est là le sectopode. Nickel. Je pense que je le vois pas d'aussi loin. Yes, c'est ça. C'est pas grave. Oh, le lancer de hache, tellement épique. Soy. Et en plus, il brûle. C'est pas beau, ça? Prochain tour. Non, prochain tour, il crève pas. Monsieur s'enrage. Mais monsieur est décédé. Ah, non, on va se le faire au katana. Est-ce que... Non, c'est pas le katana. Bah non, du coup, c'est l'hache. Ah, beaucoup trop. On va avancer. Même si je sais, ouais, yes. T'as le sectopode, normalement, au début, quand tu le rencontres pour la première fois, tu te serres des fesses, mais là, on peut juste le rouler dessus, en fait. Mais on va essayer de le contrôler. Par contre, je suis pas sûr que ça fonctionne avec ça. C'est lequel qui peut... Tire sur le porteur bouclier. Yes, tirer à travers le truc, c'est génial. Je crois qu'il est pas mort par contre. Ah si, il est neutralisé. Yes, c'est un bonheur ça. Alors tir de pistolet sur lui, ça sert à rien. Parce que de toute façon, il est avec nous. Je peux le faire. Mais je sais que tu peux le faire. Comme dit, ça sert à rien. Est-ce qu'on peut le contrôler là? Ça y est, c'est notre tour, non? Non, action épuisée. Dommage. Prochain tour, on peut le contrôler. Piqûre. Alors piqûre, c'est pratique. Ça permet d'attaquer et de rester dans l'ombre. C'est le gameplay de l'éclaireur en fait, il est un peu spécial quand il tire, en fait c'est pas repéré, il y a un lancer de dés on va dire. Mais en fait je peux pas le tirer dessus, en fait je tire voilà, sur le porte-bouclier. Putain, ils sont beaucoup trop forts. Je peux pas le contrôler. Contrôle mental, bah je suis sûr j'ai déjà utilisé non? Bah non, il y a domination. Je pense que... Ah putain, je pense qu'il compte pas en fait cet ennemi. Vu que c'est un robot. Ah putain, merde. Bah, je suis un peu déçu en fait. Je suis carrément déçu en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a toujours des solutions. J'y vais.
Bah du coup on va lui tirer dessus en fait. On va le défoncer en fait. Ça me fait super mal, c'est abusé. T'as pu retirer une deuxième fois. C'est pas beau ça. C'est pas cheaté de ouf. On va leur rouler dessus aux anciens, ça va être... Waouh, ça va être la violence. Bah voilà, il est mort. Easy, vas-y go. Ok, je me dirige vers la cible. On va continuer. Ah du coup il a pris masse dégâts en fait. Je pourrais le soigner en vrai. Je pourrais le soigner. T'es pas... Putain c'est trop stylé. Du coup on contrôle un berserker. Mais après il est pas ouf en vrai. Il est pas ouf. Ça, ça pue. Ça, ça pue fort. En vrai, ça, c'est des SEM lourds, mais ils sont pas... Je confirme. À notre niveau, ils sont insignifiants, totalement insignifiants. Vas-y, cours ces tirs, ça va être bien, ça. Poursuivez-les. Vous pouvez te cacher, yes. C'est parti. Ah, ouais, bon, du coup, ils ont du bouclier, c'est pas grave. On va sûrement prendre quelques dégâts. Est-ce que j'ai du soin d'ailleurs? J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a un mec avec son drone? Donc je pense qu'on a du soin. J'espère en tout cas parce que. Ça va pas être ouf sinon. Enfin, celui-ci est beaucoup trop stylé. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre un pilier pour protéger. Tiens, on va protéger lui. C'est beaucoup trop stylé. Oh là là là, bon vas-y hein. Putain, on va tellement leur rouler dessus, ça va être violent. Mine guidée. Oh, ça peut être pas mal. Vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Ah, je suis toujours dans l'obscurité, c'est beau. Hop, si je fais ça et que je tire dessus, normalement, ça fait des chocs à pic. Effectivement. Et je crois, yes, il est totalement décédé. En vigilance. Ah, il a le Soudikar, c'est vrai. Système de repulsion de l'armure. Soudikar, on va le faire où le Soudikar? Oh, je peux aller super loin. On va se foutre là. Ah, c'est beaucoup trop cheaté. Bon, bah, du coup. Sorry. On va leur rouler dessus, je vous le dis. Ils sont déjà morts. Ah, les extraterrestres. Ils prennent trop la confiance. Tu vas leur mettre plus qu'en position. Ah, je peux l'avoir d'ici. Oh. Ce massacre. Putain, on va rencontrer chaque type d'ennemi en plus dans cette mission. Et on va juste leur rouler dessus en fait. Et vigilance, ok. Donc dès qu'ils... Ouais, mais les... putain, le problème c'est que les codex ils se déplacent pas, ils se téléportent. Du coup, la vigilance ça va être useless. C'est pas grave. Mais alors ne bouge pas gros. Ouais, toujours le contrôle mental, je vais pouvoir le faire attaquer normalement. Sauf s'il me le bute. Ah yes, yes, ça marche. Ça marche sur les archons du coup. Panique. Oh il panique. Ça c'est triste. Allez, ça dégage. Ah pas mal son arme. Ouais, un coup pour rien. Un coup pour rien. Ouais, du coup il n'y a plus de vigilance, du coup je pense qu'il va nous. Ouais, pignon ardent. Six tissus. Ouais du coup il sera mort avant et on sera. Bah, on sera pas touché. Mec, il pète quoi. Je te caisse. Ah, bah désolé, gros. Ah, bah il est mort du coup. Yes. Ça, il est trop badass. Il est pas mort, ok. Il a raté. Bon, il est beaucoup moins badass d'un coup. Allez, ça dégage. Ouais, lui, toi t'es sympa, mais bon, pour l'instant t'es pas très utile. Ah, là tu vas l'être. Vite pire, allez, one shot ça. Je l'ai raté mes écorchures.
qu'on peut faire? Ah, est-ce que je pourrais pas lancer une petite roquette là dans le tas? Mais totalement. Totalement, totalement. Tac, allez, c'est parti. Un petit cadeau. Prends ça, salaud. Yes. Ah, j'ai pas le lance nucléaire. Ça, c'est embêtant. Ah putain, lui, il va peut-être le faire avancer en fait, parce que. On aurait bien besoin là actuellement. Alors lui, ça sert à rien. On va s'avancer. Effectivement. On va les faire boucher. Lui, si on le tue, il va exploser, donc ça sert à rien de le foncer dessus au katana. Je suis obligé de recharger. Ah, j'aurais dû faire course et tir, c'est pas grave. C'est pas gênant. Lui en vigilance et le taillade, comme je l'ai dit. Non, il est con. Putain, je l'ai déplacé sans faire exprès. Yes, le boss. Je vous fais confiance. Elle, on va la déplacer. Et on va la faire attaquer le CM lourd. Yes, ça au moins c'est fait. Ça au moins c'est fait. C'est au tour, c'est à leur tour. Alors là, il va y avoir un petit problème. Ah, il a pris des dégâts quand même. Putain. Bon, le soin pour l'instant, j'ai pas besoin de l'utiliser. Voilà, lui, il va attaquer. Voilà, c'est le berserker, c'est prévisible. De toute façon, on va bientôt perdre le contrôle mental. Ah, il reprend de la vie en plus. Ok. Bah, il est mort en fait. Yes. Bah, c'est toujours ça de moins en fait, comme ça on n'a pas besoin de se le faire. Bah raté en fait, putain. Lika avait fait un effort quoi. Ah là c'est le moment de faire un gros effort en fait, parce que il est vraiment dans la merde. Ok, ils sont deux dans la merde. Ok. Une petite saucisse quoi. Bon, pas de panique, on va se les faire. On va sauver nos troupes. Il cherche à affaiblir ma foi. Je vais pas tenir bien longtemps. Yes, t'inquiète. Gardien, putain, le gardien il a repris sa vie quoi. Putain, cool gardien. Ah, c'est la one shot. Bonheur. Ça, c'est bon, ça. Ah putain, je peux pas attaquer comme ça, sinon ça va le tuer. Enfin, ça va le blesser, quoi. Chose. Pignon ardent, bah non en fait. On va le faire avancer. On va le faire avancer en le poison, comme ça on est tranquille aussi. Voilà. Et on va le faire attaquer. 25%, mais c'est nul. Bah je suis déçu en fait. Mais what the fuck. C'est tout ce qu'il peut faire comme dégâts, mais c'est de la merde. Oh, il a touché quand même. Respect. Respect. Incroyable. Toute l'installation est immergée sous l'océan. Wow. Je me demande pour combien de temps. Un problème à la fois.